Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous disons que bon Dieu bénit, on a souhaité, ça fait nous réellement chaud au cœur pour nous capables de retrouver encore sur la plateforme ça, pour nous manger ensemble la parole de Dieu. Donc rappelez-vous, ça a presque plus de 2 mois depuis que nous avons entamé l'étude ça sur le Saint-Esprit et nous avons étudié ensemble l'œuvre du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Nous avons réellement atteint deux. Et partie que nous avons terminé avec eux, donc c'est la troisième partie, nous avons bouclé à soir. Donc nous disons, mon Dieu, merci de ce que l'Iran est possible encore pour nous capables, n'est-ce pas, chita, et pour nous capables de manger ensemble les Saintes Écritures et la parole de Dieu, qui c'est nourriture pour nous. Donc moi, je crois qu'à soir, on plus que disposé, et au chita devant petit écran, pour capable, n'est-ce pas, scruter les Saintes Écritures. Nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Donc, Seigneur, nous te remercions. Merci pour grâce, merci pour compassion, merci pour miséricorde. À soi, Seigneur, nous comptons uniquement sur vous et nous demandons autant pour glorifier ce nom, pas quitter la chair manifestée, mais permettre que gloire manifestée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc, bien-aimés, à soi, nous retrouvons lecture, nous. C'est dans Luc, chapitre 1er, le verset 35. Il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, nous avons un passage, ça, n'est-ce pas? Il y a une vérité fondamentale que nous découvrons. Il dit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera conçu du Saint-Esprit. Donc, nous avons, n'est-ce pas, bébé, ça, qui est dans le ventre Maria, ce n'est pas Joseph qui t'est mis. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, n'est-ce pas, l'ombre du Tout-Puissant, t'est couvri, Marie, et c'est ainsi que, n'est-ce pas, spème juste ça, j'aime juste ça, l'entrée, il mettait l'endroit matrice, Marie. Donc, juste pour montrer, origine Jésus, pas oublier, c'est papa qui baille petite, c'est pas maman qui baille petite. Origine Jésus, c'est un rôle sorti, Jésus pas terrestre, il céleste, donc c'est bon Dieu même, n'est-ce pas. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, n'est-ce pas, et qu'il t'a accompli en Jésus-Christ. C'est ça que fait, le petit monde prend naissance, l'irélèle, n'est-ce pas, on prend le Fils de Dieu, Fils F majuscule, on prend le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Il y aurait Jésus-Christ Emmanuel, l'irélèle, n'est-ce pas, on prend Père éternel, même titre que Dieu le Père. Juste pour montrer, Jésus-Christ, c'est pour un petit nom comme ça que lui est très important. Rappelez-nous qu'un petit point que nous avons développé et concernant l'œuvre du Saint-Esprit, en Jésus-Christ. Nous te parlons d'abord de Christ, naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né du Saint-Esprit. Nous te disons que Jésus-Christ a été loin du Saint-Esprit. Hein? Nous te développons pour point ça, l'Esprit habitait en lui, en Jésus. Et cinquième point que nous te développons, c'est Christ était rempli du Saint-Esprit. On prend, on dit, pasteur, pour qui ça? Oui, parce qu'il était habité dans la chair, très important. Parce que la chair n'est pas capable d'offrir rien de sérieux. Donc, c'est l'Esprit, mon Dieu, qui peut fortifier ou qui peut avoir force pour aller contre le besoin rivière. Et sixièmement, tu es développé pour sacré, Jésus-Christ était revêtu de la puissance de l'Esprit. Nous t'es développé ça pour dans Luc 4, verset 14. Jésus-Christ était, n'est-ce pas, revêtu. En prenant sa vie, habillé pour le ministère. En prenant, donc, il était habillé, n'est-ce pas, en vue du ministère que tu devais accomplir sur la terre pour chasser les démons, pour purifier les lépreux, pour ressusciter les morts. Hein, pour aveugle recouvrir la vue, hein, pour, n'est-ce pas, renvoyer enterrement, etc., etc. Donc, Jésus-Christ, pour que œuvre ça ait été accomplie, il était besoin absolument du Saint-Esprit demeurer dans lui. Très, très important pour chasser les démons. Et septièmement, nous disons que Jésus-Christ était conduit par l'Esprit. Nous retrouvons ça dans même Luc 4. Là. Jésus-Christ conduit par l'Esprit hein, dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, quel que soit le monde qui a servi le Seigneur, eh bien, attendons à ce qu'on voit une tentation,
Et ce n'est pas bon Dieu qui a tenté. Sometimes, Saint-Esprit qu'on conduit dans le chemin. Et qui est là, puis pour l'ennemi lui-même, il tente. Vous comprenez? Parce qu'il faut éprouver, il faut tester. Vous comprenez? Jusqu'à ce que, n'est-ce pas, vous venez un chrétien qui est fort. Un chrétien, n'est-ce pas, dans bon temps comme dans mauvais temps, qui a servi le Seigneur. Et, huitièmement, nous avons développé pour vous, point ça, en Christ, abondait le fruit de l'Esprit. Donc, très important, puisque tu es habité dans la chair, donc Jésus-Christ, bon Dieu, pas t'expecte que Jésus-Christ a vu n'importe qui, bon standard, bon Dieu exigé, n'est-ce pas? Donc Jésus-Christ, on prend, il était accompli toute bagaille, ça. Il était gagné l'amour dans lui. C'est l'amour même, il était la joie, la paix, la patience, la bonté. Jésus-Christ est bon, nous, ouais, ça a été pour vous, ça dans la Bible. La bénité, la fidélité, on prend, la douceur. Jésus-Christ est plein de douceur, il était compassion. Rappelons, lorsque, n'est-ce pas, Timon était venu jouer, il dit non, à qui te mettre la repos? Jésus-Christ a laissé venir à moi les petits enfants. Quand le royaume des cieux pour le monde qui semble avec eux. Rappelons encore Jésus-Christ, on va démontrer sa bonté. Hein? Côté, n'est-ce pas, aveugle, tu as dit Jésus, fils de David, a pitié de moi. Fou la diable, qui te mettre la repos? Dis-lui, qui te mettre la repos? Bah, Jésus-Christ campé, il dit fais aveugle à venir. Hein, fait le vini. Et c'est comme ça Jésus-Christ, il démontre, n'est-ce pas, il y a une bonté. Moi, je m'avoue, nous devons faire ça, nous devons une bonté. Nous devons faire mes frères, nos actions, nous devons faire ça. Donc, nous devons développer point ça. Eh bien, à ce soir, nous allons parler, n'est-ce pas, du neuvième point ça, que c'est par l'Esprit qu'il s'est offert en sacrifice. Très, très important. C'est par l'Esprit que Jésus-Christ s'est offert en sacrifice. Donc, bien-aimé, pas oublier l'assistance de l'Esprit, il était nécessaire à cause de l'humiliation que Jésus-Christ a souffert volontairement. Ce n'est pas un monde qui t'a forcé, et ça veut dire, me voici au Père pour faire ta volonté. Comprendre? C'est pourquoi tu m'as formé un corps. Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, personne pas au Tébim, c'est moi qui baille. Papa m'a le pouvoir pour me baille, et le bon pouvoir pour me reprendre. Donc Jésus-Christ, n'est-ce pas, il était quitté gloire, même j'en dis dans Philippiens, comprendre? Il était dépouillé de gloire pour être capable, n'est-ce pas, de revêtir l'humanité, pour venir habiter dans le corps, et pour te souffrir, pour t'endurer toute bagaille, mépris, injure, il était giflé, n'est-ce pas, il était lâché, babli, il était coup de poing, bien aimé, percé de mains, de pieds, souffrance morale, etc. Donc, il était nécessaire, n'est-ce pas, que Jésus-Christ te joue une assistance de l'Esprit. Pas oublier, bon Dieu, pas de Jésus-Christ, Saint-Esprit à mesure, comprenez? C'est fou l'Esprit bon Dieu même qui était en Jésus-Christ. Pas oublier ça. Non seulement, n'est-ce pas, il était nécessaire, dans la condition Jésus t'a vivre là, en tant qu'homme, il était besoin de force pour te faire route là, hein? Et ceci c'est volontairement, et pour l'action qu'il t'a posée autour, très très important. Dans le langage, dans toute salle t'a entreprendre, il était besoin de Saint-Esprit. Pas oublier ça. Jésus-Christ était besoin de Saint-Esprit en toutes choses. Hein, il était besoin de cet esprit lorsque le arrivé devant Pilate pour ne pas déparler, pour ne pas dire ça, bagaille, n'est-ce pas, pour le craponner. Rappelons, il vient, n'est-ce pas, dans le jardin de Gethsémané, Jésus-Christ, n'est-ce pas, rentré dans plaidoirie, la plaie des causes, l'humanité, la plaie des causes, même avec vous, plus de 2000 ans de cela, bien aimé. Eh bien, bon côté Christ est venu pour le décourager. Il dit, Père, il dit, toutefois, si t'as possible, si t'es qu'à éloigner le couple là de moi. Parce que, on prend. Ça, l'été ouais sacrifice, l'été ouais souffrance par l'endurer. Mais il n'y a pas le clou, il y a monde qui parle moquer de lui, c'est bien aimé. Donc Jésus-Christ te dit, Père, toutefois, ce n'est pas volonté, non, mais volonté par pour le fait dans la vie. Et Jésus-Christ te connaît, c'est pour raison ça même qu'il t'est venu. C'est pour le ça même qu'il t'est venu. Rappelons dans le jardin, lorsqu'il commence à prier, disciple à dormir, il a réveillé, monsieur, il dit, monsieur, nous pas qu'à veiller avec moi pendant une heure de temps, une heure de loge. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, n'est-ce pas, on prend finalement, il dit, l'heure des ténèbres, l'heure que nous n'avons venu pour arrêter là, t'es venu. Donc Jésus-Christ, t'as besoin de Saint-Esprit pour t'endurer un moment difficile. Ça. Si ça fait moins avant tout, pas oublier ça, mais nous avons besoin de Saint-Esprit qui pour aider nous, Saint-Esprit qui pour guider nous, Saint-Esprit qui pour illuminer que nous. Des fois, il y a des décisions à prendre, un travail ou très important. On a besoin du Saint-Esprit dans la vie. On a besoin du Saint-Esprit dirige. Il y a quelques fois, il y a une erreur pour le faire. Non pas une erreur, ça qu'il faut même perdre du travail. Mais pas le fait qu'on soit un monde qui a prié,
ou compter sur bon Dieu, compter sur Saint-Esprit, au moment de le guider, et c'est ainsi que le cadeau, attention, tel bagaille, le cadeau, attention, on va arriver, pas quitter valise là, ou du moins, l'eau fin de manger, pas quitter assiette ou exposé comme ça, et puis pour aller dans la toilette, là, d'où tout bagaille, Saint-Esprit a guidé, l'a assisté, le tentation vient sur tout, Saint-Esprit là, pour le bon force, pour résister, pour pas tomber dans le mal. Bien aimé, bon, me dit nous bagaille. Non pour monde qui a fait route à mon Dieu si cet esprit pas habiter non ou pas demeurer non ou très important c'est lui pour vos forces pour faire route là les tentations venir c'est lui pour vos grâces nécessaires c'est lui pour faire n'est-ce pas le désir la vie pour le prendre pour tomber dans le péché là et puis qui ça cet esprit fait lui vos forces pour résister lui vos forces pour continuer faire route là très important bien aimé pas jamais oublier ça non seulement ça, cet esprit, n'est-ce pas, lui en dans Jésus, hein, pour le bal force, pour le la parler, pour le gain langage, pour le dire exactement ça, bon Dieu voulait le dire, le la pose action, rappelons dans le temple, qui ça Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ rentre dans le temple, lui, ouais, monsieur, cap vendre pigeon, cap échanger monnaie, cap vendre gros bête, dans le sanctuaire, dans le temple. Ça, Christ fait. Christ bat, monsieur, Christ calé, action posée, c'est cet esprit qui anime. On peut dire, le zèle de ta maison me dévore. Très important. On peut. Mais plus encore, pour souffrir et accomplir le sacrifice surhumain de la croix, Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Où je dis ça dans Hébreu 9, verset 14. En Hébreu 9, verset 14, pour nous, bien-aimés. Pour nous, l'œuvre du Saint-Esprit. Hébreu 9, le verset 14. Donc, nous, ce n'est pas comme ça, non. Christ est mouru. Ce n'est pas comme ça, Christ est livré sur le bois du calvaire. Désnoué humainement parlant, Christ a enduré toute souffrance. Ça. Autant de ça, il dit là, dans Hébreu 9, le verset 14. Il dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? On met qu'un verset, qui est là toujours moins. Il dit, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Pas oublier, il y a deux éléments là, il fait ressortir. Il dit, le sang de Christ, accompagné de qui ça? De l'esprit éternel, à savoir le Saint-Esprit qui résidait en Jésus. C'est ça qui fait sacrifice là, il y a toute valeur, c'est ça qui fait sacrifice là, il y a tout sens là. Son sacrifice, n'est-ce pas, qui n'a jamais perdu puissance, n'a jamais perdu valeur, quel que soit le monde à travers le monde, depuis qu'on a accepté Jésus-Christ, ou entré dans l'ambassade Christ là, il y a la vie éternelle pour vous, il y a repos pour nous. Il dit, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, non seulement le sang de Jésus-Christ, il ne faut pas purifier conscience de toutes œuvres mortes, parce qu'il y a un péché, l'on fait une fête, bien-aimé. Si bon Dieu n'a pas de bon, faculté sacrée, l'oubli ou la mémoire, et bien, bon, vous avez tué tête, ou vous avez tué tête. Mais l'Esprit de Dieu, c'est lui-même, n'est-ce pas, qui convainc, qui dit, ouais, péché, vous avez effacé. Il y a la paix, il y a la vision, il y a le songe, il fait cœur content, il y a la force pour faire ou table. Le sang de Christ, nous sommes purifiés de toutes œuvres mortes. Mais il dit, l'Esprit éternel, ça veut dire que pour Jésus qui t'a offert comme sacrifice, pour t'être d'accord souffrir, tout bagaille ça, bien aimé, injurio, ignominio, pour te souffrir, n'est-ce pas, propos infâmes, qu'on a lancé contre lui, eh bien, il a fallu que Christ, n'est-ce pas, Saint-Esprit t'a habité dans lui, pour le bal force, pour le résister, bien aimé. C'est ainsi que, je voulais faire nous connaître, à soi, bien aimé, pour servir, bon Dieu. L'important pour Saint-Esprit habiter en dedans, ou pas capable de faire travail là sans Saint-Esprit, pas demeurer dans haut. Gagne job ou pas qu'à faire non. Gagne quand on arrive, n'est-ce pas? Bon Dieu, d'où al prêcher là ou bien al faire ceci. Et puis gagne monde qui vient à exam sou yo, puis au détruire. Et puis bon Dieu, d'où n'est-ce pas? C'est pour camper, pour faire travail là. On prend Étienne, bien-aimé. Étienne a parlé de Jésus. Bible dit, n'est-ce pas? Apôtre Paul laisse l'apôtre quoi apôtre. Il était dans complot à tout, il était dans bagaille là tout. Il était par approbation tout. Vous mettez, n'est-ce pas, on prend, il y a lapidé mon yo, et c'est monsieur qui va l'ordre pour se faire ça. Parce que Sanhédrin va l'ordre pour ça. Pas oublier, bien aimé. L'Étienne a pris un coup de roche dans la tête, coup de roche, n'est-ce pas, dans toute colle.
gon niveau rivel pas ka pran encore plus saute tomber on t'a dit il Seigneur pardonne yo et au compte ça qui passé entre-temps et puis Étienne ouais Jésus qui debout à la droite de Dieu cap accueilli pour rentrer dans ciel là dans souffrance ça donc il est impossible pour Étienne d'endurer souffrance ça si cet esprit pas de balle force pour le camper cet esprit là bon bravo bien-aimé gen situation qu'on y est au besoin force ça naturellement pas capable ou craponné ou courir bien-aimé ou rappelez-vous Jean-Pierre était comprendre il était brave lorsque Jésus dit Pierre contact passé m'a don bagaille quoi que la pas chanter deux fois ou renier trois fois après Pierre regarde Jésus dit ah Dieu ne plaît ça pas fait même c'est n'est qui vaillant m'pas peur rien m'pas lâche regarde ça alors monsieur comprendre il était gain dévouement mais ça pas comprendre Jésus-Christ est Dieu là Jésus dit un bagaille au bas de quoi lui bien-aimé ça doit la fête vrai et pas oublier le arrêter Jésus Pierre t'a suivi bonio et puis il rentre dans la cour tribunal là. Et puis, une femme qui dit, mais il s'est tellement tard avec Nazaréen. Moi, connais tout son jour. Pierre fait serment. Hein? Pierre dit, vieille parole, il dit, m'en ceci, m'en cela. Fait serment, radote. Ouais. Jésus-Christ dit, l'ouap renier trois fois. En tout cas, Pierre, pour te connaître pas, l'esprit bon Dieu, en lit, en foulé en détail. Il peut te remplir du Saint-Esprit pour te balle force. Pierre craponné, bien-aimé. Sans cet esprit, ou pas qu'à faire face à la situation. Ça. Sans cet esprit, la persécution va venir, bien-aimé. Ça, on peut le faire. Le gouvernement mondial, ça va l'établir, bien-aimé. Par contre, qui le monde qui a ça va le faire. Mais pas loin, bien-aimé. Le monde pour nier le nom de Jésus. Tant que le pays islamique, tant que le Nigeria et d'autres pays, il y a moins de chrétiens, c'est pour nier le nom de Jésus. Pour le monde converti à l'islam. Gen dit non, yo pas d'accord, yo coupé main yo coupé tête yo. Hein? Gen d'autres tortures yo subi. Bien-aimé, si n'est-ce pas, on peut pas gen Saint-Esprit dans ou des noé ou pas ou ka camper, ou a courir, ou a dou pas de kon Jésus. D'où l'importance pour chrétien pour nous rentrer dans la prière. Pour nous même jeûner parce que ko vle ko pa vle, jour ça gen pour venir. Jour ça gen pour venir, ça pral le faire. Qui sont prêts à le faire dans ce moment ça? Hein? Pas oublier l'église primitive. T'es une époque, bien-aimé. Chrétien, t'es souffri. T'es une étude, t'es fait sur ça. Nous t'es montré blondine, jeune femme, ça. Hein? Gain, mon Dieu, bien-aimé. Toro, yo la gué au noir, pour Toro, n'est-ce pas, à éventrer. Pas blague, non? Yo dit le renier Jésus. Il dit non, pas faire pareil comme ça. Chrétien, hein, yo la gona arène pour lion dévoré, pour tigre, pour bête sauvage dévoré, yo préféré mourir comme ça, yo pas renier le nom de Jésus. Ou comprendre, il était facile. Mais non, il pas facile. Lui était besoin Saint-Esprit habiter dans yo. Parce que l'esprit bon Dieu dans ou, li bon bravo. Ou rappelez au nom ça, yo était le Polycarpe là. 80 et quelques années. Polycarpe, n'est-ce pas? On prend, il demande pour renier le nom de Jésus. Qui ça te répond? Il dit, moi-même, je renier Jésus. Je ne sais plus de combien d'années je servi Jésus. Il ne jamais faire honte. Il ne pas jamais décevoir. Et puis, c'est qu'on y a renié. Qui ça te bal force pour te résister comme ça? C'est le Saint-Esprit. Il prend, n'est-ce pas, Polycarpe, qui ça a fait? Il a marré non poteau, il a brûlé vivant. Ah, bien aimé. Tout en dans flamme, même si a prié, la baille, bon Dieu, gloire. Il n'est pas naturel, bien-aimé. Si vous n'avez pas Saint-Esprit, des noé, ou qu'à camper. Si vous n'avez pas Saint-Esprit, bien-aimé. Le n'est-ce pas, Marc de la Bête, ça très bientôt, le bal vini. Laissez voir qu'on est. Pandémie, ça. Jusqu'à présent, oui, qui l'a toujours. Il y a petit monde sous pas ceci, ou pas prendre vaccin. On prend ou pas qu'à travailler, ou perdre du job, ou pas prendre vaccin, ou pas qu'à sortir, ou pas qu'à dans restaurant. Tout bagaille, c'est bien aimé. Son préparation liée, oui. Son préparation, il a préparé le monde. Mais nous-mêmes, Dieu nous fait, mais nous ne pouvons pas comment ça va passer. C'est même Jean tout, oui. Le Marc de la Bête a pas le vini. Il a tout, n'est-ce pas, sou pas accepté Marc Bête là. Ou pas qu'à l'école, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à même aller dans l'armée pour pêcher poisson, ou pas qu'à prendre un avion. Pour aller dans le pays ou pour aller n'importe qui côté. C'est comme ça, ça va lier, bien aimé. Elle écrit dans la Bible. Donc, sans que ce soit fait la pandémie, ça,
on prend, il y a exigé, mon Dieu, pas ceci, pas cela. Toutes ces sont préparations liées. Il prépare psychologiquement. Et puis, on peut l'accepter tout. Grand pile chrétien, on peut l'accepter. Mon qui t'a servi Jésus, n'est-ce pas? Parce que vous parlez dans la prière, parce que, n'est-ce pas, l'Esprit, mon Dieu, parle en dedans. Il n'y a pas qu'à résister. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de pour accepter Macbeth là. Ah, bien aimé, il n'est pas facile. Et automatiquement, vous acceptez Macbeth là. Ou pas qu'à sauver. Ou pas qu'à sauver. Ce n'est pas moi, c'est Bible en dit. Donc, pour tirer toute bagage dans la période difficile à Cap Vine là. Hein? Pas oublier l'époque ça, c'est surnaturellement pile chrétien pour manger. En pile monde, l'église finit enlevé. On prend, c'est en pile monde, c'est surnaturellement. Dans le moment de grande tribulation, dans le moment, n'est-ce pas, antéchrist a sur la terre. C'est pas comme ça, non, bah, il n'est pas facile. Donc, nous, n'est-ce pas, Jésus-Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Donc, c'est volontairement Christ. C'est ça fait. Jésus pas forcément servile. Nous quand on dit je viens à ton hôtel, on prend libre moi je veux servir moi. Des fois nous chantons chant yo, mais li pas en réalité dans la vie nous. Parce que l'heure est arrivée pour nous faire volonté mon Dieu, nous toujours kick, nous toujours régimber, nous pas d'accord. Des fois nous chantons nous ba menti dans chant yo. Ou a fait genre on veut même le pas veut ou a mené nous. Des fois nous chantons chant, mais c'est pas vrai. Nous pas veut bon Dieu mener nous. Nous voulons faire ça nous voulons. Comment c'est sous moi? Nous, quand nous voulons faire ça, nous voulons, c'est pas ça, bon Dieu, nous voulons faire. Jusqu'à ce que le bon nous zoc, le bon nous sabot, le bon nous patasouel, pour nous rentrer dans l'île. Très, très important. Donc, sans Saint-Esprit, nous pas capables de faire route là. Donc, Jésus-Christ lui-même, c'est par le Saint-Esprit qui s'est offert en sacrifice. Le par exemple, ou observer, bon Dieu, ou accepter Jésus. C'est pas moi qui fais ça, ou faire chaud, ou accepter Jésus. Alors, depuis avant la fondation du monde, bon Dieu, tu es choisi pour ça. Mais cependant, pour le service de Dieu, au besoin de Saint-Esprit. Pour le ministère, au besoin de Saint-Esprit pour vos forces, pour la prédication, pour l'efficace. Hein? Au besoin de Saint-Esprit pour convaincre le monde captant d'Oyo. Hein? Sans l'aide du Saint-Esprit, miracle n'est pas qu'à opérer. Imaginez, on prend apôtre Paul, le rivé sur l'île de Mort, je crois, côté pour consul la territé à demeurer. C'est qu'il y a un magicien, un faux prophète, il y a les bords Jésus. Hein? Monsieur a semé la terreur, il a fait prodige dans la zone. Les gens croient dans lui. On prend. Il y a un gouverneur qui croit dans lui parce que monsieur a fait miracle mensonger. C'est démon qui observe avec elle. Mais l'apôtre Paul paraît dans la zone. Cet esprit l'a prêché l'évangile au gouverneur, au préconsul, proconsul. Qui s'est passé? Bible en dit, n'est-ce pas? Magicien, bords Jésus, le loué, apôtre Paul sorti pour le convaincre. N'est-ce pas, pour consul là, et puis il vient, il met opposition. Pendant la pause, n'est-ce pas, bagaille, il comme ça, Saint-Esprit activé dans l'apôtre Paul. Et puis il prononce son sentence sur bord Jésus, il dit, aveugle, même côté à monsieur aveugle. Et Bible en dit, n'est-ce pas, pour consul là, même côté, il croit dans la doctrine Jésus-Christ, en l'accepter Jésus comme sauveur personnel. Bien aimé. Donc ça veut dire que sans Saint-Esprit, apôtre Paul pas capable de faire bagaille ça. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, démonstration d'esprit de puissance. D'un côté où elle prêchait, n'est-ce pas, son péristyle qu'il a, c'est un gant, c'est monde qui malveillant qui est dans la zone ça. Bon Dieu, pas vous aller dans la zone ça. Hein, pour elle prêcher, s'il pas rempli ou avec Saint-Esprit, s'il pas engendré ou s'il pas mettre force, s'il pas mettre onction sur vous, il n'y a qu'à manger ou qu'à même tourner la caille ou même. Ou besoin de Saint-Esprit pour aider dans le moment difficile ça. Dans la souffrance, yo. Très, très important. OK. On nous garde encore, n'est-ce pas, dixième point. Enfin, Christ a été ressuscité par l'Esprit. Si on dit que Christ est ressuscité par l'Esprit, cela veut dire que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. OK. On explique ça, bien aimé. Dixième point. C'est encore l'Esprit de Dieu qui fit sortir Christ du tombeau. Jésus-Christ est mort, nous connaissons l'histoire là bien, bien aimé. Lui mourut, l'œil mourut, il a enseveli, il a enterré Jésus, n'est-ce pas? Il a mis le tombeau. Maintenant, pas bien, nous connaissons la mort fait mon père du tout espoir. Mais, au théâtre, le Christ vient puissant, Satan brisé, le Christ vient de l'eau dans les yeux,
li prend tristesse nous la vie plaît avec la joie etc etc. Maintenant pas oublier even le n'est-ce pas Jésus-Christ rend l'âme il dit père je remets mon esprit entre tes mains même après sa mort Jésus-Christ n'est-ce pas li mourir littéralement hein yo voyez n'est-ce pas Pilate dit li mourir il était mourir dit oui soldat dit mourir yo saisi parce que la mort de la croix bien-aimé qu'on explique ça déjà l'église là il qu'on prend mon plus de 36 heures dans loge avant de mourir donc Jésus-Christ après quelques heures de loge même 2 ou 3 heures il mourit et là on vérifie ça vrai qui ça au fait il prend puis ouais s'il mourit vrai il prend épée il perce flan li puis sans sortir de l'eau sortir Jésus-Christ pas bouger ouais parce que il qui est en rendre l'âme il mourit donc parole bon Dieu montre là dans 10e point c'est que Jésus-Christ est ressuscité des morts et cette résurrection là il pas produite n'est-ce pas parce que lui était le produit comme ça non Bible dit que c'est cet esprit qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts très important très très important donc on garde passage ça dans Romains 8 le verset 11 pour nous qui ça le dit nous Romains 8 le verset 11 le Romains 8 le verset 11 on regarde qui ça le dit bien-aimé Romains 8 le verset 11 il dit n'est-ce pas et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous qu'embé moi là quittez là moi donc ouais verset ça son verset clé il dit et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans tous les morts. L'esprit de celui qui esprit ça, le Saint-Esprit. Donc c'est cet esprit lorsque Jésus-Christ était mort, il a placé dans le tombeau et bien le troisième jour à l'aube du premier jour de la semaine, Jésus-Christ ressuscité dans tous les morts. C'est pas comme ça qu'on ça le ressuscité là. Hein? C'est cet esprit qui était dans lien qui ressuscité le corps de Jésus. Vous voulez comprendre ça bien-aimé. Et puis l'esprit Jésus rentré dans le corps Jésus back. Donc, travail ça, il dit, c'est Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui a ressuscité Jésus-Christ. OK. D'entre les morts. Et il vient à la vie. Et c'est même cet esprit ça qui va rendre, n'est-ce pas, comment nous retourner à la vie, c'est ça le dit là, par son esprit qui habite en vous. Donc, d'où l'importance, n'est-ce pas, de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans le corps du croyant. Donc, lit absolument important pour que le Saint-Esprit demeure en nous. Si l'Esprit de Dieu pas demeuré dans nous, bien-aimés, bon, dit nous bagaille, si nous mourons, pas de résurrection. Si nous n'avons pas de Saint-Esprit, le trompette la sonné, même l'un de en devant, c'est l'autre qui l'a déjà, nous mourons, nous pas qu'à ressusciter. Donc, on a besoin le Saint-Esprit pour habiter dans nous. Très, très important. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, verset ça, son verset, n'est-ce pas, qui pour faire cœur content, qui pour faire réjouir, qui pour nous, n'est-ce pas, chercher présence de bon Dieu. Nous besoin de cet esprit dans la vie, non. L'église pas qu'à exister sans l'assistance du Saint-Esprit. Si nous pas revêtus de l'esprit, si nous pas remplis avec Saint-Esprit, bien-aimé, c'est en vain à travailler, c'est en vain à marcher parler, c'est en vain à prêcher, c'est en vain à faire tout ça à faire, nous besoin Saint-Esprit dans la vie non. Sans le Saint-Esprit dans la vie du croyant, bien-aimé, ou pas capable de faire face à moment difficile yo. Dans tentation les au venir, ou pas bien force pour résister. C'est cet esprit, oui. Leur prier, par exemple, la jeune fille ou jeune garçon qui peut marier, ou même monde qui est actif ou bien actif sexuellement. Si vous n'avez pas cet esprit, là, vous pouvez prier pour jeûner. Vous pouvez avoir force, oui, pour descendre le libido, oui. Les désirs péchés apprennent, oui. Pour faut résister, oui, bien aimé. Pour mettre chant, cantique de louange, d'adoration, pour faut arrêter dans la prière, oui. C'est cet esprit pour avoir force. Autrement dit, vous tombez, oui, bien aimé. Pas de monde qui faut dans l'évangile, non. C'est l'esprit bon Dieu résider dans vous. Et pour mettre chaud, n'est-ce pas, ou plier en bas volonté, bon Dieu. Saint-Esprit a beau force pour avancer sur vous. Très, très important.
Donc, nous avons ici le sens de ce verset que nous retrouvons dans Romains 8, verset 11. Il est très évident. Oui. Parce que l'Esprit de Dieu habitait en Jésus-Christ. Puisque l'Esprit a habité en Jésus, il a habité dans nous. C'est pour un esprit mort lié, son esprit vivant lié. Pas oublier cet esprit, il participait, n'est-ce pas, dans la création. C'est tous les trois, mon Dieu, papa, petit avec cet esprit. Donc cet esprit, puisqu'il t'a habité dans Christ, celle qui t'a parlé en Christ, toute action Jésus t'a posé, il vient le Christ a choisi, disciple. C'est cet esprit qui dit qui monde pour choisir. Très important. Pas jamais oublier ça. Tout, n'est-ce pas, on prend une bagage Jésus qui fait, l'elfine prier sous mot à la descente. C'est l'esprit de Dieu qui a dit, il dit, mais ça pour faire, mais ça pour faire. Là, il dit Nathanaël, m'te ou en bas, puis bois, en bas. C'est cet esprit qui dit ça. Donc, si Jésus-Christ a cet esprit dans lui, comme il a cet esprit dans lui, tu es demeuré dans lui, qui t'a travaillé dans lui, moi, je avoir. L'important pour nous avoir cet esprit dans la vie, non? Pour diriger nous, pour orienter nous. Il y a une décision pour ne pas prendre. C'est cet esprit pour nous grâce pour ne pas prendre décision, ça y est. Il y a des choix, nous devons faire, mais c'est cet esprit pour nous force pour ne pas faire choix, ça y est. Très important. Les gens qui vont le marier, ou qui ont un bel petit garçon, ou bien un bel petit fille, vous faites folie pour lui. Mais cependant, ce qu'on peut parfois, c'est que les gens, ça fait diable à côté de tout pour détruire. Mais lorsqu'il y a cet esprit habité dans vous, qui demeure dans vous, l'abdou, non, ce n'est pas choix, ça me fait pour vous. Il n'est pas bon pour vous. Son choix fatal lié. Sourire ma belle ou marié avec la voix passée mal. C'est ça, il faut que grand pile, mon jodia, qui marié, qui fait mauvais mariage, n'a pas attendu maman, n'a pas attendu conseils, n'a pas prié, n'a pas cherché mon Dieu. Et mon sa frère, ils font vieux mariage, et mariage, ça, s'il bêtise, même dans l'enfer, le ramener. Parce que l'homme, il fait mauvais mariage, bien aimé. Ah, il est difficile, pour marcher avec Jésus, pour sauver. Ouais, parce que, mon nom, puisque Marie n'est pas avec elle, Madame n'est pas avec elle, si cet esprit pas demeuré, il ne peut pas le force pour résister. Tôt ou tard, l'abdomen n'est pas pour pas de tomber. Soit dans la masturbation, soit, n'est-ce pas, dans une relation extramaritale, tout bagage ça. Yo. Et c'est une mienne qui travaille. Mon nom ne doit pas avoir Marie avec lui, mais l'autre monde qui couche avec elle. So, ça veut dire que le monde dans une situation, ça, bien aimé. Si tu as son nom, pas sauver son mou, pas sauver. Très important. Donc, la Bible dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, c'est loi de l'iniquité. Donc, il n'est pas easy, j'aime mieux penser à bien-aimé. Donc, nous, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu t'a habité en Jésus-Christ, et c'est cet Esprit, n'est-ce pas, qui t'a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, nous, avant tout, puisque nous avons servi Jésus, hein, tout disciple accompli sera comme son maître. Nous ne serons pas plus que Jésus-Christ, mais nous avons même gens avec lui. Comprenez? Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit demeure dans vous, et bien, on va faire les œuvres que Christ a fait autour. Parce que le Saint-Esprit habite dans vous. Donc, si c'est même esprit ça qui habite dans vous, et bien, l'esprit ça, tout, c'est lui qui a ressuscité nous tout. Très important. On nous garde pour nous, n'est-ce pas? Dans 1 Timothée 3, le verset 16, qui sa parole bon lui dit? 1 Timothée 3, le verset 16. Dans un n'est-ce pas, nous faisons lecture, dans le verset ça. 1 Timothée 3, le verset 16. Alors, voyons ce que dit les Saintes Écritures. Donc, dans 1 Timothée 3, 16, il dit, « Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a ressuscité, n'est-ce pas, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Ça dit là, « Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a... » Celui qui a été manifesté en chair, à savoir Jésus-Christ, justifié par l'Esprit. Ah là là. Non seulement, bien-aimé, pas bien salut là, manifesté en la chair, le mystère de l'incarnation. Jésus-Christ vient habiter dans la chair. Pour te venir habiter dans la chair, qui est-ce qui fait travail là? Je te montre ça dans Luc 1er 35. Il est conçu du Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui prend j'aime juste là. Il faut dans la matrice Marie. Donc, il vient pour Jésus-Christ te prendre naissance. Ce n'est pas Joseph qui te couche avec Marie qui prend naissance à Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui prend gemme, qui prend sperme, le fourré dans la matrice Marie, bien-aimé. Ça, c'est une. Christ vient à manifester dans la chair, c'est par rapport au Saint-Esprit qui t'a habité, non, qui prit entrer dans votre Marie, qui formé corps Jésus, très important. Et puis, il dit, justifié par l'Esprit, aïe, 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 pour juste aux yeux de Dieu.
pour vivre, n'est-ce pas, nous faire ce qui fait bon Dieu plaisir. Faut que Saint-Esprit habite dans nous, dit, justifié par l'Esprit. Saint-Esprit rend témoin que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Le Saint-Esprit dans nous, c'est lui-même qui fait travail là dans nous, très important. Hein? Vu des anges, prêcher aux gentils, couille dans le monde, élevé dans la gloire. Et tout travail, ça, nous sommes dans le verset là, c'est Saint-Esprit qui fait à travers nous. Pour Jésus-Christ prêcher, puis prêcher Christ à travers le monde. Nous avons besoin de Saint-Esprit pour revêtir lui. Hein? Très, très important. Pour prêcher les gens qui parlent de Jésus, il faut que Saint-Esprit. Puis au courant à travers le monde, il faut que les gens voient prêcher et les gens pour le prêcher, il faut le remplir avec Saint-Esprit. Très important. Élevé dans la gloire. Même Jean, tout le monde parle de ressusciter des morts. Il vient même les gens à l'homme mourir. Si, n'est-ce pas, Saint-Esprit pas de mourir dans vous, ou pas qu'à sauver. Si, n'est-ce pas, enlèvement l'église a fait, ou pas de Saint-Esprit dans vous pendant sur la terre, ou mettre les marchés l'église, ou pas qu'à sauver. Ou besoin de Saint-Esprit, c'est lui pour permettre enlèvement fait. Et si vous mourrez tout, n'est-ce pas, pour ressusciter des morts, même l'on était mouru juste en France, en Chine, au Japon, c'est là où était fait enterrement. Parents à vivre à Haïti, bien aimé, apprendre ça. Ou à ressusciter des morts. Ou à ressusciter, n'est-ce pas, jusqu'au Japon, c'est ça lié. Mais c'est Saint-Esprit qui a fait travail là dans nous. Très important. Donc nous, n'est-ce pas, Christ, par sa résurrection, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté qu'il a ainsi justifié aux yeux de tous. Donc, nous, n'est-ce pas, on prend Jésus-Christ, on prend sa résurrection, eh bien, il a été déclaré le Fils de Dieu avec puissance. Donc, nous, c'est l'Esprit de sainteté qui t'a justifié Jésus-Christ aux yeux de tous. C'est l'Esprit de sainteté qui t'a fait Jésus-Christ ressusciter d'entre les morts. C'est l'Esprit de sainteté qui t'a avec Jésus, n'est-ce pas, même dans le temps, tu fais le ressusciter. C'est l'Esprit, n'est-ce pas, c'est cet Esprit qui est dans Jésus-Christ qui fait produire ce qu'on a fait, démons qu'on a cherché, etc., etc. Donc, nous, n'est-ce pas, dans le dixième point, Jésus-Christ, il t'a ressuscité vraiment dans tous les morts, mais c'est cet Esprit qui t'a fait travail. Là. Donc, il en est de même pour nous-mêmes qui acceptons Jésus, pas oublier ça, et bien même l'autre a mouru, si cet Esprit n'a pas demeuré dans nous, pas qu'à ressusciter dans tous les morts. Très important. Si, n'est-ce pas, cet esprit pas demeuré dans vous, eh bien, si c'est dans le moment où ça enlèvement a fait, ou pas qu'à sauver, ou pas qu'à enlever, parce que cet esprit pas demeuré dans vous, très important. Donc, nous, l'importance du cet esprit dans la vie croyante, c'est pour fortifier dans vous, c'est pour avoir force, pour résister devant le péché, pour résister devant la tentation, devant la faiblesse, pour avoir force pour avancer sur tout. Maintenant, on nous garde 11e point, bien-aimé. 11e point. Donc, dans le 11e point, c'est conclusion même. Pas oublier, dès avant sa naissance et jusqu'après sa mort, soit pendant toute sa carrière ici-bas, Jésus-Christ s'est mis dans la situation d'avoir besoin de l'assistance et de la puissance de l'Esprit. Nous pouvons tirer de ce fait deux conclusions essentielles. Bien que d'abord Jésus-Christ fut Dieu venu sur la terre, il était aussi parfaitement, n'est-ce pas, homme et ne pouvait rien faire de lui-même. Donc, premier point avant même que nous rentrions là-dedans, dans conclusion, nous, n'est-ce pas, Jésus-Christ, depuis avant sa naissance, jusqu'après sa mort, soit pendant toute carrière ici-bas, Jésus-Christ est dans une situation que tu as besoin l'assistance et la puissance de l'Esprit. Donc, pas oublier tout ça que Christ a fait sur la terre. Donc, sans assistance de Saint-Esprit, sans la puissance de l'Esprit, il n'y a pas de fait une bagaille. C'est ça fait nous dire, premièrement, bien que Jésus-Christ était venu sur la terre, eh bien, Jésus-Christ, n'est-ce pas, il était parfaitement homme, 100% homme. Et il n'y a pas de fait rien de lui-même, pas jamais oublier ça. Jésus-Christ était dépendant. C'est pour ça que Jésus-Christ on a prié comme ça. C'est parce que il était dépendant de bon Dieu. Il n'est pas dépendant de tête lui. Puisque lui n'habitait dans la chair, il était dépendant de bon Dieu. On va d'un côté le Christ rivé, il faut figuer à pas un figue là-dedans. C'est juste pour toi. Jésus-Christ était humain, tant que tout humain. Il était humain. Jésus-Christ était contre soif tout. Il était contre grand goût. Il était tenté, il n'a pas de péché.
Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tu as des possibilités. Christ a fait bagarre qui passe à bien-aimé. Mais il est coupé en bas volonté papale. Mais pour ça, tu es fait, il était rempli avec l'Esprit, mon Dieu. Bon Dieu, tu es obligé de briser par la souffrance. Pour te obéir, papa, très important. Donc, nous, d'abord, premièrement, Jésus-Christ est venu sur la terre. Donc, aussi parfaitement homme, et bien que tu es 100% homme, il n'y a pas de péché dans lui, mais il n'y a pas de café en rien sans l'assistance du Saint-Esprit. De même, tout pour nous-mêmes, je dis à Cap Servi, bon Dieu, pas j'aime prendre tête pour ça, pas. Ça fait grand pile mon qui fait fiasco, qui essuie échec, qui produit scandale. Ce n'est pas rien, non. Mon nom commence très bien, mais orgueil est venu envahir. Pour le fait que le gain donne l'onction, le gain puissance, en pile miracle fait, il vient prendre tête pour Dieu. Sur quelque chose à côté, il cherche lui. Là, mon nom vient, puisque miracle fait, il compte c'est lui qui travaille. Il compte c'est parce qu'il a prié, c'est parce qu'il a jeûné. Même oublier, c'est bon Dieu qui a la grâce là. Et ça fait un pile mon compte finit mal, parce que mon nom pas dépend de bon Dieu. Ou même capteur de parce qu'on doit dépendre de bon Dieu, dépendre du Saint-Esprit. C'est lui pour diriger, c'est lui pour instruire, c'est lui pour assister, c'est lui pour tout ça pour faire. Comme tu as dit déjà dans l'étude, ou qu'a un don pour opérer pour Dieu, ou qu'a un don pour miracle surnaturel, pour bagaille surnaturel opérer, ou qu'a été là, bon Dieu, bon don, il y a un monde qui a un bout de pied, il prend naissance à un bout de pied, il a un orbite là, mais il n'y a pas un yeux là-dedans. Et puis bon Dieu, de prononcer la parole sans vie, yeux poussés dans l'orbite là, pied qui bout de pied à vie normale. Ça, c'est pas extraordinaire. Pendant que tout don ça, ou qu'arrive en côté, qu'on paquet estropé, coco, bémoun qui vini. Et puis, bon Dieu, bon, don vrai pour faire prodige, faire miracle. Et puis, il dit, Saint-Esprit parle à vous, il dit, ouais, je dis, il n'y a pas de miracle qu'a fait. Fait tout le monde qui l'a, camper bonne gloire, crier béni soit l'éternel. Ou même fait tout le monde qui l'a, mettre à genoux, prier pendant une heure d'horloge. C'est ça le dit. Maintenant, ou même, dans l'esprit chanel ou dans la chanalité, ou besoin de monter au servant, serviteur, bon Dieu, pour vous, à travers le même miracle, fait, ça veut dire, c'est où fait. Et puis, on au nom de Jésus, camper, c'est la vie, mon guérivé. Mais mon guérir ou pas dans la volonté, bon Dieu. Très important, c'est ça qui est important. L'organe onction, c'est le cap dirigé, au cap douleur pour faire miracle. Ou cap gain don pour prêcher, ils vont côté, bon Dieu, deux paroles, et puis ils vont renvoyer le peuple là. Ou qu'à arriver dans le service, ça qu'on arrive tout en l'église, là, bien aimé. Donc on peut aller, mon abvini, et puis après 15-20 minutes, bon Dieu dit, renvoyez le peuple là, prononcez bénédiction. Parce que le service n'a pas dans le monde, mais cet esprit lié, le compte, ça va la faire. Très important. Ou besoin de cet esprit dirigé, ou besoin de cet esprit guidé, bien aimé. Donc, bien que Jésus-Christ fût Dieu sur la terre, il était aussi parfaitement homme et ne pouvait rien faire de lui-même. Et ça fait Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, nous n'avons pas qu'à prêcher pour nous sauver. Sans Jésus-Christ, nous n'avons pas qu'à diriger service efficacement. Sans Jésus-Christ, nous n'avons pas qu'à faire rien dans le royaume. Même le bon don, ou une belle voix, ou qu'à chanter, ou un don pour diriger, ou un don pour administrer, ou un don pour faire toute qualité de bagaille. Mais si l'Esprit bon Dieu n'est pas dans où, travail n'est pas efficace. Très important. C'est cet esprit pour convaincre du péché, de la justice de Dieu et du jugement à venir. Où est l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Très important. Deuxièmement, non, onzième point en conclusion, hein, le Fils du Dieu vivant, dans toute son incomparable grandeur, a choisi de ne pas se passer un seul jour du secours de l'Esprit. Jésus-Christ n'a pas osé passer un seul jour sans le secours du Saint-Esprit. Jésus-Christ a besoin de l'Esprit, bon Dieu, pour aider dans toute bagaille, pour assister, bien-aimé. Jésus-Christ n'a pas déjà fait un choix sans ne pas demander, n'est-ce pas, bon Dieu, qui ça pour le faire, Saint-Esprit, très important. Bien que Jésus-Christ, c'est bon Dieu, mais il habitait dans la chair. Et puisqu'il habite dans la chair, il a besoin absolument de Saint-Esprit pour guider, Saint-Esprit pour diriger. Et ça fait Christ pas jamais faire rien sans ne pas rentrer dans la prière. Rappelons dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, la Bible montre que Jésus-Christ, chaque matin, il descend sur tout le monde là, puis il a l'entemple. Ça se fait sur la tête, mon âme. Prier, il se prier. Il a besoin d'aide du Saint-Esprit. Le Christ est arrivé, n'est-ce pas, dans la foule là, femme à perte de sang, arrivé côté Jésus. Il dit si seulement tu es touché, pas en robe, je connais ta guéri de maladie. La Bible dit femme n'a touché que. Non, mais t'as toute foule ça, oui. Il n'a pas dit touché Jésus, non. C'est que Jésus touché. Pas oublier que Jésus a dit Jésus. Jésus a onction. Non seulement habillé le revêtu, même dans rad li onction. Et ça fait, apôtre Paul voit mon choix, mon choix fait la guéri de mon chassé.
Donc la femme non n'est-ce pas, li touché par robe Jésus, Bible dit femme non qui ça le fait, li guéri à l'instant même. Mais la femme non guéri, li conscient li wè kol pas même j'ai encore. Li pa gen perte de sang, sang pa tomber sur lui. Mais Bible dit Jésus à l'instant même, li campé. Il dit quelqu'un m'a touché. Apôtre dit mais toi dit là comment dans toute foule ça qui pressé ou là, c'est normal mon a collé sur lui. Non. On compte ça m'a dit hein, parce que Christ est rempli avec l'esprit bon Dieu. Il y a une foule bon Dieu pas de l'esprit à mesure. Même quand elle dit me senti une force qui sont dans moi, non onction sous moi, onction que Saint-Esprit met sous moi pour guérir les malades, pour purifier les lépreux, pour chasser les démons, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Eh bien, Jésus-Christ, il sentit une force qui saute dans lui. C'est ça fait ouais monde qui a servi bon Dieu, leur gain onction. Par exemple, un monde qu'on a fait, un service bon Dieu dit pour moins monde a cru d'onction, pour le prier, pour l'imposer pour les mains. L'elfini gon force qui saute dans lui. Mon ami senti li weak. Faut mon rentrer dans la prière encore. C'est comme si nous t'a dit son téléphone, son cell phone nous gagne. On fait 2-3 jours à utiliser. Il pas gain juice encore. Énergie a fini. Sou obligé n'est-ce pas mettre dans charge là, dans chargeur pour recharger batterie. Et bien c'est même gens tout oui. Nous besoin Saint-Esprit pour bonne force. À chaque fois qu'on a fait travail là, nous y vont côté, nous senti oui pour nous faire replein. Donc, nous, n'est-ce pas, Jésus-Christ est venu secouer cet esprit. Il n'est pas passé un jour sans que il n'ait pas cherché la présence de bon Dieu. Il était toujours dans la prière, bien-aimé. Et chrétien doit mener une vie de prière. Bien-aimé, ce n'est pas mentir, bon, non. Et pour ne pas mener une vie de prière, vous ne pouvez pas résister devant le péché. Je vous parle d'expérience, bien-aimé. Ne pas arrêter dans la prière, ne pas supplier la miséricorde de Dieu, pour arrêter dans la présence de mon Dieu. Mais les faiblesses ou bien, ou tomber. M'encourager à soi, rentrer dans la prière, chercher l'appui du maître, chercher la présence de mon Dieu, rentrer dans la prière, besoin d'onction, besoin de la puissance de Dieu couvrir. Très important. Donc, nous, n'est-ce pas, il y a besoin de secours de l'esprit. Comme nous. Par exemple, on regarde nous-mêmes, pauvres créatures que nous sommes, pécheresses, nous impuissantes, bien-aimées. Est-ce qu'on peut prétendre nous vivre vie chrétienne sans la présence et la plénitude même de l'Esprit? Nous pas qu'à vivre sans la puissance du Saint-Esprit. Parce que nature pécheresse, il n'y a pas de bonne possibilité pour vivre sans la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, pas menti, non. C'est ça fait remarque là pour eux. L'homme vient accepter Jésus. Et puis l'Esprit de Dieu lui a baptisé. Mais si vous ne pas dans la prière, ou pas jeûner, ou pas chercher la présence de bon Dieu, ou pas cultiver la présence de bon Dieu dans la vie. Et puis vous ne venez pas prier. Après 2-3-4 semaines, vous avez saisi pour qui je suis tout tombé. Ou quand vous même barré, vous avez fait une fait plus mal. Oui. C'est cet esprit pour vous force là. C'est lui qui vit en dedans. C'est pour nous cultiver la présence du Saint-Esprit dans la vie. Donc. Des décisions, Seigneur, explique-nous, qui ça pour me faire dans la situation? Saint-Esprit, dirigez-moi, non? Fais-moi comme ça pour me faire, non? Seigneur, mais invitez-moi, dis-moi, c'est pour m'aller. Qui ça pour me dire dans ces circonstances-là? Moi, je c'est ça, nos besoins. Cultiver la présence de l'Esprit dans la vie, non? Donc, c'est pour, n'est-ce pas, nous demander, bon Dieu, pour le préserver, non? De toute présomption folle, pour ne pas gagner folie. Me rappeler, bien aimé, grand personnage Haïti, le Samal sur la montagne, et Boutillier. Avec un serviteur, bon Dieu. Le nous arrivait en haut, sous montagne, on a prié. Et puis, il a montré mon personnage. Un monsieur qui commence à avancer en âge. Et puis, moi, monsieur, j'ai un pied palmiste, qui a fait un palmiste, qui a brûlé, qui a brûlé. Et puis, il dit, frère Toto, où est monsieur ça? Si il me dit, qui est-ce que monsieur ça? Il dit, non, monsieur. Il dit, c'est l'église de Dieu, rue du Saint-Esprit. Il était puissant dans mon Dieu. Il était très puissant dans mon Dieu. Bon Dieu, tu as fait des exploits avec, il est extraordinaire. Mais là, ils vont à un certain moment. Côté l'église, elle n'a pas vu l'église en termes encore, parce qu'elle a une onction, elle a une puissance. On prend parce que, comme dans le bon Dieu, dans l'église, elle a une force. Elle n'a pas vu l'église en termes. Et puis, on dit, oh, gars, il vient en parler. Et pour mon Dieu, tiche les leçons, ça. Monsieur vient en termes, il vient sec, il n'a pas rien dans les termes, il est aride. Et pour elle, après, il est en termes, il est bébé, il est bébé, comme ça. Et ça fait, nous, on a cherché du signe qui tourne à pégarer. Ce n'est pas menti, bien aimé. Où est-ce que tu es arrivé, Samson? Dans désobéissance, bien aimé.
qu'on a tout un petit bébé, hein, il c'est non cyclier et puis il y a maintenant une bête comme ça bien-aimé, il y a passé dans bêtise. Et ça fait nous besoin l'assistance du Saint-Esprit, pas qu'il te folie pour nous. Il y a monde qui perdu n'est-ce pas, ministère dans folie, dans présomption, prend tête pour ça payer. Ah moi-même, c'est goûter par ici. Who are you? Goûter par ici. C'est Jésus qui me quitte de m'a mégaré. C'est Jésus qui si roi, qui me quitte moi fini oui. Après ça, nous tout qui là c'est péché, c'est bluffé, c'est sauvé par grâce nous. Nous pas rien. Quel que soit ça bon tu as utilisé pour faire pour gros miracle, gros prodige opéré, bah bon Dieu gloire, descendre devant mon Dieu, tomber devant mon Dieu, reconnaître c'est pas dans où bagay la sorti, c'est Jésus qui l'a fait, c'est pas nous. Le monde utilisé on prend et puis il mettait dans au désir pour faire et puis le bon possibilité à ou faire le vrai, ou construire un gros tabernacle, ou faire ceci ou mettre cela, monde content yo fier. C'est pas tête pour bagay gloire, c'est Jésus pour dire merci, c'est lui qui rend nous capable. Pas glorifier tête ou pas faire tête ou paraître. Le bon Dieu, n'est-ce pas, mettez dans mon pour aider au monde. Pas une faire gros nez comme d'adom. Non. Toute gloire pour Jésus. Parce que nous-mêmes qui méchants, ce n'est pas à bail nous, c'est pour tête nous, c'est nous égoïstes. Bail bon Dieu, gloire, bien aimé. Donc, en effet, Christ est né de l'Esprit. Il a été loin et scellé par l'Esprit qui habitait en lui et le remplissait. Donc, en Jésus-Christ, n'est-ce pas, abondait le fruit de l'Esprit. Très, très important. Nous, n'est-ce pas, Jésus-Christ, il était abondé dans le fruit de l'Esprit. Jésus-Christ était patience, il était une douceur, il était une tempérance, la bénignité, la bonté. Jésus-Christ, n'est-ce pas, il était en pile compassion, il était remé monde. Jésus-Christ arrivait, n'est-ce pas, qui côté, il arrivait dans le lieu, n'est-ce pas, désertique, ça, pas de manger pour foule, là, que tu as suivi. Et puis, il dit, monsieur, mais foule, monsieur dit, ah, mettez la foule là dans le grand goût, renvoyez, non, pas mourir grand goût là. Jésus-Christ dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus-Christ dit, non, il n'y a pas qu'à aller, pas ici, arrivé loin, il n'y a qu'à mourir. Jésus-Christ, n'est-ce pas, fait miracle, 5 pains, 2 poissons, hein, il fait multitude à manger. Jésus-Christ, il a compassion, il a l'amour. C'est même j'aimerais m'avoir, c'est pour nous avoir compassion, c'est pour nous aider les gens qui nécessitent. Oh, c'est pour ne pas faire mes entrailles, non. Moun nan a besoin, c'est pour nous aider. Moun nan, n'est-ce pas, li fait bagay ki pa bon vrai, oui. Moun nan li hurt ou vrai, oui, mais c'est pour apprendre, mais c'est pour bay passer. C'est pour nous bay moun passer. Tout ça, c'est fruit de l'esprit, oui. Faut ne pas dur, faut ne pas méchant. C'est pour bay passer ou même, yote violenté. Moun ki te violenté, la balle passer. Autrement dit, ou pas, j'aime guéri nan moun. Bay moun nan passer. Moun nan te parle mal. Hein, li bon kout, n'est-ce pas? Hein, li parle mal. La le travail, il faut perdre du job là. Bal passé. Pour bon Dieu, lui-même qui a fait ou d'abord. Très important. Moun nan te vin pour le bon poison. Mais bon Dieu, pas quitte ou mourir. Pardonnez, moun nan bal passé. Ou pas manger nan mel encore, non? Ah non, ou pas manger nan mel encore. Ça va dire ou pas gen l'amour pour ça, non? On prend? Ah non, ma kembe distance. Ouais, ou ta bon poison. Koune bon Dieu, préserve, m'pa prenne un poison. Non, m'a toujours aimé. Si m'y venne pour m'aider, m'a pédo, même pas manger dans mon encore. Très important. Si m'a mangé un bagage, m'a quitté la sous-table, m'a pas manger là encore. C'est pas faute, mais m'a obligé prudent. Très, très important. Donc, nous voyons ici, Jésus-Christ était revêtu de la puissance de l'Esprit et était conduit par l'Esprit. C'est ça, lire dans Luc 4. Donc, c'est cet esprit qui t'a conduit Jésus, c'est qui t'a dirigé Jésus. De même, moi et ma voix, nous voulons cet esprit conduit nous. Laissez cet esprit qui a conduit, ou bien aimé. Guérir, nous pas fait. Gè côté nous pas praler. Parce que l'esprit bon Dieu pas dirigé là vous bien aimés. Zami ka fait tintin. Famille ka fait tintin. Ça fait l'esprit bon Dieu qu'on dirige ou qu'on habite en mitan famou. Et puis l'esprit bon Dieu ou pas habiter dans ça sorti. Il faut aller l'autre côté parce que autant de fois habiter en mitan moun sa yo ou pas ka servir bon Dieu vrai. Il y a pas péché au servir bon Dieu. Ça fait l'or conduit par l'esprit ou son monde qui bizarre ou son monde qui drôle. Moun pa jam ka comprendre nous. Yo pa jam ka fin comprendre nous ouais parce que ces gens Saint-Esprit faut fonctionner oui. Ou par contre quand on sorti ou par contre quand on braler. Li ka dou lever jodi à Philadelphia. Lever jodi à sorti à Haïti. C'est ça le dou faire, c'est li pour faire. Donc enfin, c'est par l'esprit qu'il s'est offert en sacrifice et qu'il a été ressuscité. Donc tout ce que Christ a fait, tout miracle, tout prodige, c'est Saint-Esprit qui est demeuré dans lui. Donc, si Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui c'est bon Dieu, puisque tu es habité dans la chair, nous avons besoin de Saint-Esprit pour te travailler dans la vie comme ça. Et moi, et ma veille, nous avons besoin de Saint-Esprit dans la vie, nous. Donc, dans toute expérience,
nous capables, n'est-ce pas, nous-mêmes faire même expérience. Dans la mesure, côté bon Dieu, n'est-ce pas, indiqué pour nous faire un série de bagailles. Parce que lorsque c'est chrétien, on doit, n'est-ce pas, d'accord pour plier pour volonté bon Dieu faite dans la vie. Dans 1 Jean 2, verset 6, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2, verset 6. Le monde qui dit, n'est-ce pas, il demeure dans Jésus, ou en dans Jésus, Jésus en dans, Jésus va à vivre en don, eh bien, on doit marcher, même Jean Jésus doit marcher. Hein. Marcher dans la sanctification, marcher par l'esprit, dirigé par l'esprit, vivre, n'est-ce pas, Jean Jésus, c'est qu'on a vivre là. Bible en dit, et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lorsque c'est chrétien, ou doit avoir une mentalité chrétienne, non? Ou doit vivre Jean bon Dieu, Jean parole bon Dieu, dit, c'est pour courber en bas sainte volonté bon Dieu, c'est pour respecter parole là. Gen bagay bon Dieu dit non, non c'est non. Gen choix le faire, c'est choix le faire avec bon pour vous. Ou ka remen ceci, ou ka remen cela, c'est cher qui remen, mais le pas dans volonté bon Dieu. Donc c'est juste pour montrer le cognant là, ou c'est l'esprit bon Dieu qui a dirigé, ou renoncer à propre tête ou. Ou pas mettre tête ou à celle de là. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Dans, en d'autres termes, donc pour nous marcher, Jean-Jésus m'a dit pour nous marcher, hein, faut que nous demeurions dans Jésus. Faut ne pas aider propre tête, non. Ça, c'est mon qui débrouille, oui. Mon qui capé des têtes, mon qui dans l'évangile, la fait un coup de guidon sur le côté. Et puis pour dire Jésus, me dit merci, non, et pas Jésus, c'est où faire fort. Des fois, mon enfermé a gouillé, et puis dit Jésus, non, et pas Jésus. Il n'y a pas mettre non Jésus là-dedans. Vous comprenez? Oui, c'est M. Dou, merci. Ou bon résidence. Qui est mon résidence? Hein? C'est Mario marié pour résidence. Ou pas qu'à dire, c'est Jésus Baoul. Son magouille lié. Donc, pas mettre non Jésus la donne. Donc, lors demeurer en Jésus, Jésus a fait où t'avoir. Ou pas peur souffrir. Sometimes, avant le délivre, faut souffrir. Faut d'accord pour souffrir pour le nom de Jésus. Je dis à mon pas d'accord pour souffrir pour le nom de Jésus. Il y a une femme qui pas d'accord pour souffrir. Non, pas carité, ça ne pas manger. Faut le manger. Faut la coucher pour jouer manger pour le manger. Faut le placer pour jouer manger pour le manger. Non, lorsque c'est mon bon Dieu, je peux comprendre ça, oui, ou qu'à grand ouvrir, mais invoquer le nom de Jésus. Les papes qui tournent comme ça, la prend soin, bien aimé. Il y a des gens qui veulent vivre au large, qui veulent vivre à l'aise. Pour vivre à l'aise, là, bien aimé. Bon Dieu, quand nous, on vit à l'aise. Ou qu'à l'aisance. Mais l'aisance en froid, mais que je lui saute dans bon Dieu. Mais n'est-ce pas, si tout ce qu'on a besoin, n'est-ce pas, on prend son monde, n'est-ce pas, qui a couché à avoir pour le bas, ou yo, foncer de bagaille, ou vient, c'est pas pour bon Dieu, on vit encore. Donc, mon cap vivre par l'esprit, ou souffrir pour le nom de Jésus. Très important, pas oublier ça. Donc, également, il vous faut naître de nouveau par l'esprit et recevoir son onction et son sceau. Donc, toute bagaille, ça, yo applicable à tout chrétien qui vit pour Jésus. Il faut naître de nouveau. Il faut l'esprit, mon Dieu, habiter dans où. Hein? Faut recevoir onction, revêtu pour le ministère, pour travailler, bon Dieu, confie là, comme toujours dit, quelque chose soit faire dans l'exa. C'est mappé ou mappé, c'est balé ou balé, c'est chaise ou suyer, ou responsable, n'est-ce pas, ustensile pour n'est-ce pas, pour Sainte-Seine, ou responsable, n'est-ce pas, tel département de l'église, ou besoin d'onction pour ça, ou responsable de la jeunesse, ou besoin d'onction pour ça, ou à prêcher, ou besoin d'onction pour ça, ou à diriger service, ou besoin d'onction pour ça, ou à chanter, ou besoin d'onction pour ça. Il vient de chanter. Et pas dire que tu as une belle voix, fait tremolo. Et puis, non, 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 non. Ou tu as une belle voix, mon pas une onction. Juste ça. Onction pas couvrir. C'est la chèque qui travaille. On prend. Ou pas chanter pour les gens qui viennent là, ouais, ou qu'on chante. Mais bon Dieu, pas avoir. Donc, on a besoin d'onction pour diriger dans tout détail la vie. Très important. Et c'est pas aussi le Saint-Esprit que nous devons offrir le sacrifice vivant qui sera de notre part le culte raisonnable. C'est ça, je viens de dire, mais il dit ça. Et c'est pour lui que finalement nous serons ressuscités. Donc, on nous offre corps à Dieu comme un culte raisonnable, comme une offrande de bonne odeur. On nous courit pour mal, on nous courit pour péché, on vit pour Jésus. Ce n'est pas facile, non, mais nous obligés, c'est comme ça. C'est pour nous soumettre en ma volonté, mon Dieu. Si nous ne pas faire comme ça, eh bien, nous pas la donne, bien-aimé. Tout comme Jésus-Christ a été conduit par l'Esprit, cet Esprit a assisté. C'est comme ça, cet Esprit a assisté au tout. L'ont plié, l'ont d'accord. Bien-aimé. Est-ce que nous réfléchissons à bagay sa yo? Donc, yo doit une réalité pour nous. Yo doit une réalité pour nous. Très important. Donc, bien-aimé, il est intéressant de noter que jamais l'Écriture ne dit que Jésus a été baptisé de l'Esprit. On ne peut pas nulle part dans les Saintes Écritures, il montre que Jésus-Christ est baptisé du Saint-Esprit, dont il était pourtant revêtu et rempli. Jésus-Christ est rempli avec l'Esprit de Dieu. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Mais, baptême, non. Jésus-Christ n'a pas besoin de baptiser du Saint-Esprit, comme nous le verrons plus loin.
Parce que baptême non a pour effet de nous faire membres du corps de Christ. Ou je ça dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Donc, il était évident que le Seigneur n'en avait pas besoin. Il n'a pas besoin de baptiser du Saint-Esprit. Et ne pouvait être adjoint à son propre corps. Le baptisé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est le baptisé pour une membre du corps de Christ. Mais Jésus-Christ, le corps Christ, ça c'est pour lui encore. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de baptiser du Saint-Esprit. Et ça fait Bible en prend soin pour le dire que Jésus-Christ, n'est-ce pas, il était revêtu, il était rempli de l'Esprit, mais pas dit Jésus-Christ était baptisé du Saint-Esprit. Pour baptiser, le baptisé du Saint-Esprit, il est tout simplement fort membre du corps de Christ dans 1 Corinthiens 12, 13. Donc Christ n'a pas besoin pour te baptiser du Saint-Esprit. Moi et ma voix, nous besoin baptiser du Saint-Esprit. Hein? Nous besoin nouvelle naissance dans, habiter dans nous. Parce que nous pas de besoin, Jésus pas de besoin à jouer à propre corps encore. Parce que le corps de Christ, n'est-ce pas, c'est pour Christ lié encore. C'est moi-même avoir qui besoin de régénération. C'est moi-même avoir qui besoin de sanctification. C'est moi-même avoir qui pour conscience nous doit purifier de toutes œuvres mortes. Par Saint-Esprit qui en dans nous cap convaincre nous du péché. Saint-Esprit pas de besoin en dans Jésus pour convaincre lui du péché. Parce que Christ pas de péché dans lui. Donc bien aimé, à soi quoi c'est la nappe, n'est-ce pas, mettez fin à émission, pas oublier, nous t'a, n'est-ce pas, étudié, n'est-ce pas, l'œuvre du Saint-Esprit en Jésus-Christ, nous répondons à eux que nous t'ai abordé, avec, en Christ habitait le fruit de l'Esprit, c'est par l'Esprit qui s'est offert lui-même en sacrifice, neuvièmement, dixièmement, enfin, Christ a été ressuscité par l'Esprit, et nous t'ai conclu avec eux, bien-aimé, dans conclusion. Donc, nous montrons, n'est-ce pas, Jésus-Christ est venu sur la terre, et il était parfaitement homme, très important, et le pas de café rien de pas lui-même. Donc si Christ pas de café rien de pas lui-même, Christ te veut assistance Saint-Esprit, moi et ma voix, nous pas de café rien à propre tête pas nous. Sans Jésus-Christ, nous pas de café rien. Nous continuons sans Jésus, nous pas de vivre, nous pas de faire un seul pas. C'est lui-même nous voulons suivre et pour lui-même vivre ici-bas. Donc, bien aimé, c'est l'année de la soya. Que bon Dieu bénisse, cherchez l'appui du Maître, restez dans la prière, demandez bon Dieu assistance, au besoin de Saint-Esprit dans la vie. Que bon Dieu bénisse, allez en paix et n'a pas retrouvé avec vous. Pas oublier, connaissez chaque mercredi soir. À compter de 7h30. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde tous ses vrais biens. À bientôt. Au revoir.